Ouais, les plats de main, je la jette. Et après. Ok. Attention, tu marches. C'est bien. Allons revoir le troll et lui dire le mot de passe. Le mot de passe est incorrect. Ça serait marrant qu'ils le disent. Alors, vas-y. Voilà. Et de deux. Salut les copains. C'est moi. Mais ce mec, il a une faiblesse mentale. Je sais pas. Il est faible. Ah, il y a un cadavre. Donc, dès que j'obtiendrai cet objet de puissance, j'espère que c'est le dernier étage après. Te fous pas de ma gueule, putain. Et les caisses en bois, merde. Chier. 15 pièces d'or. Bon. Normalement, c'est le dernier étage, j'espère. Putain, il y a intérêt. Ok. Ok. Elle est où la baise? Oh. Ok. Pas de faire de mal. Oh putain. Oh putain. Oh putain, c'est le trou de ce boss. Ok. J'y vais. Oh putain. Oh non. Mais j'ai vu le trou de ce boss. Enfin, j'ai vu le last boss de cette zone. J'ai pas envie. La joie. Et long couloir. Des pièges. Ah mais pourquoi ça... D'accord, je sais pas pourquoi à chaque fois ça me baisse tout ça. Je ne vois pas, putain. Putain, je flippe. Je flippe sévère. Un crâne. Ok. Ouh, première porte. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'embrouille. Oh putain, c'est le... Oh putain, elles arrivent, les embrouilles. Mais tu... Non, mais quel perso de merde. Tu me déçois. Allez, reprends tes esprits, sac à muscles. Parfait. Voilà, aide-moi. Parfait, maintenant l'autre Minongo. Oh putain, puis il y avait un seul piégé juste là. Ok, donc la clé doit se trouver là. Faisons attention. Faisons attention parce que... Quel con. Le temps des troubles. Un peu de lecture.
Bon, par contre, on va attendre que la musique s'arrête. Merci. Le temps des troubles. Lorsqu'Oa chassa les dieux déchus du ciel, leurs avatars descendirent dans le monde fréquentant les mortels. Certains se montrant plus impitoyables que les autres, tout en cherchant désespérément le moyen de regagner leur sphère céleste. Connus sous le nom de temps des troubles, de guerre des dieux ou de crise des avatars, cette époque est la plus chaotique de toute l'histoire récente de Faerun. De nombreux dieux furent terriblement affectés par leur soudaine mortalité. Mistra fut détruite et son essence fusionna avec la terre, provoquant des sautes de magie et créant des zones de magie anthropiques et d'autres de magie morte. Gon, le faiseur de merveilles, retomba sous les traits d'un gnome sur les côtes de l'Antan. Reconnaissant d'être accueilli et protégé par la ville, il révéla le secret de la poudre à canon. Timora apparut à son temple d'Arabelle, et l'on pense que sa présence en ce lieu évita à la cité d'être détruite. Ibrandul, dieu des cavernes, fut tué par Char, qui lui vola sa sphère d'influence. Seul, Aum conserva ses pouvoirs divins, et Ao lui donne l'ordre d'empêcher le retour des dieux parmi leur royaume. Il accomplit parfaitement sa mission, à tel point que la plupart des ravages provoqués par le temps des troubles lui sont indirectement imputés. Malar affronta Nobanion et fut traqué par Gwerdron Bourrasque, Shondakul tua l'avatar d'un dieu mineur des orques. Charès prit la forme de la favorite du pacha de Kalimpor et fut libéré par Sunni de l'influence croissante de Char. Le cavalier rouge apparut en Tétir, aidant le pays à vaincre les monstres qu'il attaquait depuis la Werdav. Oar tua Raman, dieu de la guerre d'Unter, mais c'est une Anur qui récupéra sa sphère d'influence. Clagédin Barbe d'Argent affronta Lavelas Enores à la suite d'un quiproquo. Wokine disparut et son allié Lilira s'occupa de sa sphère d'influence. L'avatar du demi-dieu Iyashtu Xmin, démoniaque rejeton de Bane, fut enfermé sous Château Zentil. Gil'jam, dieu roi d'Unter, fut tué par sa rivale Tiama, ce qui mit un terme à 2000 ans de règne de sa part. Baal, dieu du meurtre, était déjà très affaibli lors de la guerre des dieux. Impuissant à constituer un avatar, il ne put s'incarner que sous la forme d'une entité destructrice capable de posséder les êtres vivants. Seul Bane défia Thorm, le seigneur noir, tua tous les assassins de Faerun pour absorber leurs essences, ce qui affaiblit encore un peu plus Baal. S'alliant à Myrkul, Baal enleva l'humaine minuit et découvrit l'une des tablettes du destin. Mais sur le pont de Boraskin, Baal fut tué par un autre mortel, Sirik, à l'aide de l'épée fléau des dieux, l'avatar du dieu Masque. Il absorba ainsi une partie du pouvoir de Baal, le reste polluant les rivières sinueuses. Sirik utilisa ensuite le fléau des dieux pour tuer Lyra, déesse de l'illusion, et s'emparer de sa sphère d'influence. Cela fait, il brisa sciemment fléau des dieux afin d'affaiblir Masque. Bane fut détruit par Thorm lors d'un combat épique à côté de Tantra, et sa sphère d'influence se confia à Sirik par Ao. Thorm périt lui aussi, mais comme son royaume était alors Toril, et comme il était mort au service de sa sphère d'influence, l'obéissance et le devoir, Oa le ramena à la vie et lui rendit son statut divin. L'avatar de Myrkul affronta Minuit, et cette dernière le vainquit. Minuit devint la nouvelle incarnation de Mistra après avoir absorbé l'essence de l'ancienne déesse en ses terres. Pour sa part, Sirik devint le dieu de la haine, de la tyrannie, du meurtre et de la mort, acquérant ainsi les sphères d'influence de Bane, Baal et Myrkul. Quelques années plus tard, il perdit le titre de dieu des morts au profit de mortel Kelemvor et sombra temporairement dans la folie à cause d'un artefact qu'il avait lui-même créé. La fin de la crise des dieux bouleversa le rapport que les dieux entretiennent avec leurs fidèles. Par décret de Dao, le pouvoir d'un dieu est désormais en rapport direct avec le nombre et la ferveur de ses adorateurs, ce qui fait que plus aucun d'entre eux ne peut désormais se permettre d'oublier ses fidèles. La guerre des dieux fut source de nombreux changements,
tant géographique qu'au sein du Panthéon. Mais son plus grand effet reste sans aucun doute la radicale transformation du rapport Dieu-fidèle. Ça fait beaucoup de lecture tout ça. Tiens, il reste un coffre. C'est très intéressant. Oh, une cape de nymph. Charisme plus 1. Je prends, allez. Il y a du sang. Il y a un voleur mort. Ah, c'est... Mort par quoi? Par ses... par un mignon. Et là, je parie que c'est... Ah, ce n'est pas un truc. Un vilain machin, pas beau qu'on s'appelle. Gargouille. Oui. As-tu des choses à m'apprendre? Oh, la clé du sceau, oui. Journal intime du voleur. Bah, je recherche un journal intime. Jour 1, voler quelques trucs, bu un peu de bière, pas sympa la serveuse. Voler de nombreux trucs, encore de la bière, serveuse plus sympa. Encore voler, mal au crâne, apparemment, gros butin dans les cavernes, serveuse plus sympa si le butin était dans ma poche. Entrer dans les cavernes après avoir passé les trolls, faut explorer partout. Fin, mal au crâne. Inutilement en raison de... Ok. Il est décédé en faisant des trucs. A priori, la serveuse était sympa. On ira la voir. Donc là, j'ai la clé du sceau. Mais ouais, mais non. Bon. Ok. Elle est où la baise? Elle est là? Même pas. Non, je vais voir ce qu'il y a derrière. J'oublie peut-être des trucs dans les barriques, mais ça doit être sans importance. Allez, encore mes potes, les minigo. Les minogo. Pas les minigo. Ce serait plus bizarre. Et après, je vais me soigner juste devant la porte. Oh, le saut! Les mecs, vous sautez trop bien. Impeccable. Ça, c'est fait. Bon, là, il y a des gargouilles. Oui, non, si, c'est les gargouilles. Non, mon pote, il est là-bas. Parfait. Ah, et bah voilà. Et là, on arrive à la dernière pièce. Donc, on repartira par là. Repos. Repos. Allez, reposez-vous. Voilà. Ah, on arrive presque à la fin. Du coup, ça va bientôt être la fin de la session. Ouais, bah on aura fait un donjon entier. Des petites heures, tranquille. Allez, on y croit. Ouais. Attends, je recule un peu. Voilà, un pec. On peut y attendre, hein. Tout se passe superbement bien. Déjà fini? Une caisse piégée. Vous êtes sérieux? Merde, ça fait quoi? Sous l'effet de l'ant. Ah, trop bien. Bon, et ben maintenant que je suis sous l'effet de lenteur, et ben on va patienter. Ah, ça y est. Elle est où la baise? Elle est pas là. Oula. Parchemin d'histoire, un ancien parchemin en état de décomposition. Ok. Là. Ok. Viens, on nous voit. Ok, ok, collier en argent. Ok. Ouais. Non, celui-là, je l'ai ouvert le coffre. Non, j'ai déjà ouvert.
Non, je t'avais pas ouvert. Pour ces pièces d'or. Bon, du coup, on va se re-soigner. Après m'être dépensé, mais de quoi tu... Je me suis dépensé de rien du tout, ouais. C'est bon, on a compris. Bon, bah. On va utiliser la clé, on va battre le boss, et puis on est bien. Allez. Du coup, on fait quand même un point d'attention aux endroits de dangerosité. Non, de l'autre côté. On va repartir par l'autre porte. Ou alors non, mais je sais pas. Ah, j'ai envie. J'ai envie. Ah, je me tâte. Allez, on y va. On est des fous. Ah putain, ça, je sens que je vais le regretter au bout d'un moment de vouloir tout explorer. Non, y'a rien. Des gargouilles? Des gargouilles, ouais. Du coup, ouais, des gargouilles. Voilà. Ouah, il y avait un mignon. Il était caché derrière la porte. Trop discret. Putain, le solide snake. Bon, piège? Non. Attention de savoir. Cool. Là. Piège? Moi je dis piège. Même pas. Et bah voilà, un pack. Allez, on sort. Un mignon. Ah bah tiens. Vas-y aussi. J'ai bien de tes potes. Ravageur. On s'occupe de toi juste après. Voilà. Ah, j'ai peut-être un niveau d'absorbé, mais putain, je garde mes strats. C'est bon, il va décider. On sent cette XP. Allez, on y va. On se tamponne des pièges. On est des ouf, gueulin. Ah, et la sortie est par là. On est au fond du couloir. Ah, le voilà. Ça doit être le dernier mob avant le boss fight. Voilà, ça se fait. Donc doucement. Attends, doucement. Voilà, on évite bien le piège. Et là, on va se soigner. On va se préparer. Tac, tac. Utiliser une potion qui devrait me rendre toute ma vie. Parfait. Et on y va. Tu es prêt, Billy? Go! Go! Ah, c'est les ensorceleurs créateurs. Allez, on doit se les faire un par un. Que le sol vous engloutisse. Oh putain, violent. Ok. Attends, peut-être un piège. Non, pas de piège. Ok. Putain, il en reste un. Ah. Qui êtes-vous? Que faites-vous?
Et que faites-vous ici? D'accord. Ok. J'ai assez d'infos. Ça, c'est fait. Coolness. Une petite intervention virale, ça ne fait pas mal. Et donc, nous voici face au dernier coffre. Oh putain, quel est cet objet? What? Oula. Les lettres de ce livre se déplacent sous vos yeux en le formant un texte que vous êtes capable de comprendre. Le livre aborde de nombreux sujets et semble prouver sans l'ombre d'un doute qu'une race créatrice vivait autrefois dans ces ruines. Un passage attire votre attention. En 501 SD, plusieurs milliers d'esclaves se sont révoltés. Il fallait plusieurs années pour mater cette révolte, la plus importante à ce jour. Loin de représenter une menace militaire, les esclaves furent particulièrement difficiles à capturer car ils se cachaient dans la caverne de la chaîne de Sentiège où ils vivaient comme des sauvages. Les opérations furent compliquées par une présence draconique dans les Sentièges, refusant de se plier à notre volonté. Mais les dragons furent vaincus au cours de la seconde grande guerre d'Iromir et nos chasseurs purent enfin capturer les derniers esclaves révoltés. Comme de coutume, les plus vieux furent éliminés, les jeunes mâles estropiés et envoyés dans les mines de fer, les femelles les plus robustes furent ramenées dans les enclos pour la reproduction. Et un roi qui va me faire chier. Mon sac est trop lourd, j'ai du mal à le porter. J'en ai marre. Mon sac est trop lourd. Et merde. J'ai du mal à le porter. Putain, faut que je mette d'autres trucs. On va faire de la place comme on peut. Faisons de la place comme on peut. Ah putain, plus que 2 kilos. Putain. Oh, le dernier kilo. Mon sac est trop lourd. J'ai du mal à le porter. Mais what? Hein, de quoi? De quoi, Ding? C'est fait, donc ok. La mère du simplet. Ah bon? Ah merde. Alors, sans fonder car l'épreuve de gouverne dans le carrière. Ok. Ouais, save ça une histoire. Ok. Bon, et ben, plaque de pression. Franchir le portail. What? Ah, je suis revenu ici. Très bien. Et ben, je vais sortir alors. Mais non, si c'est par là. Non, je vais faire mieux. Tac. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter ici. Je vais juste prendre les soins pour m'enlever. Pour m'enlever ma merde. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Hop, sauvegarde. On va sauvegarder plein de fois. Vous voyez, je fais plein de save à la con. Tac. 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 Et la dernière save. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter pour cette grosse session qui aura duré presque 2 heures. Je vous remercie d'avoir suivi les vidéos, enfin cette session en ma compagnie. J'espère que ça vous plaît de retrouver Neverwinter Nights. Je sais que ça a été un peu compliqué le mois dernier pour faire une session. J'ai pas eu trop le temps, mais là je vous ai fait 2 heures. Donc je vous balancerai peut-être 3 épisodes sur un week-end et 3 épisodes un autre week-end.
Merci à tous d'avoir regardé tout cela encore une fois. N'oubliez pas comme d'habitude tout ce qui est like, commentaire, le partage, les abonnements, tu fais ce que tu veux, tu regardes la chaîne si tu viens de tomber sur ces vidéos. Merci à vous. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.